Alors bonjour à tous, moi c'est InsuranceGirl et Suga, vous êtes sur BlogXParler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique où est-ce que je vais donner mon avis sur le film d'animation japonais Your Name. Et donc j'espère que ça vous plaira. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très très active et que je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là, pour ces vidéos, pour ceux et celles qui tomberaient sur mes vidéos où est-ce que je fais une critique et qu'à la fin je vous donne mon avis, donc c'est vraiment une vidéo vraiment très très segmentée. Donc premier point que je parlais avec vous, c'est le synopsis de l'histoire. Après, je vous l'ai laissé avec la bande d'annonce du film. Après, je vais vous donner plein d'informations et rester jusqu'à la fin pour savoir mon avis sur le film d'animation Your Name. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous aussi vous avez aimé le film d'animation Your Name dans les commentaires. Alors, dans cette histoire, on suit deux personnages. Donc, le premier personnage qu'on suit, c'est Mitsuha. C'est une fille qui habite à la campagne avec sa grand-mère, sa petite sœur, son père, même si son père il est vraiment très pris par son boulot de mère, sa mère elle est décédée. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est... Elle déteste déjà sa vie, elle n'aime pas sa vie. Et elle, ce qu'elle voudrait, c'est vivre à Tokyo. Le second personnage que nous suivons dans cette histoire, c'est le jeune Taki qui est aussi lycéen, mais lui c'est un lycéen qui vient de Tokyo et lui, qu'est-ce qu'il adore? C'est l'art et l'architecture. Lui, il a vraiment une vie banale de lycéen pris entre le lycée et son boulot dans le restaurant italien. Un jour, ce jeune Taki, il va faire un rêve étrange où est-ce qu'il se retrouve dans le corps d'une jeune femme, d'une jeune fille. Et elle, Mitsuha, elle fait un rêve comme quoi elle est dans le corps d'un garçon qui habite à Tokyo. Et donc là, on va découvrir, apprendre qu'est-ce qui se passe au travers de ses rêves. Et donc maintenant, je vais vous laisser avec la bande originale du film. Bon, alors là, je vais vous dire plein d'informations sur le film d'animation japonais Your Name. Donc, le titre principal qu'on peut entendre dans à peu près tous les pays, c'est Your Name. Mais sinon, en japonais, c'est Kimi no na wa et ça veut dire quel est ton nom. Donc, ce film est sorti le 26 août 2016, mais chez nous pour le voir c'est sorti le 28 décembre 2016. À partir du 1er juin on a pu le retrouver sur les sites de streaming, notamment sur Netflix, mais la licence est expirée sur Netflix, donc pour regarder sur Netflix vous ne pourrez plus le regarder pour l'instant, jusqu'au jour où ils décident de le remettre dans leur catalogue. Après, à ce qui paraît, vous pouvez le retrouver sur Amazon Prime, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc je pense fortement que la licence Amazon Prime X Your Name est aussi terminée. Après, en éditeur et distributeur, c'est animé. Et aussi comme distributeur, vous avez Eurozoom, c'est tout ce qui est pour les salles de cinéma. Donc c'est un film qui est bien sûr japonais, qui dure 1h47 minutes. C'est le réalisateur qui a fait ce film, c'est Shinkai Makoto. Ce film aborde plusieurs genres, dont drame, mystère, romance, school life, slice of life, surnaturel. Il aborde aussi plusieurs genres, tout ce qui est quotidien, transmigration et voyage temporel. Ensuite, là, je vais vous laisser avec un florilège des personnes qui ont travaillé
pour le film d'animation Your Name, mais bien sûr, et aussi la plupart des personnages. Alors là, je vais vous donner mon avis sur le film d'animation Your Name. Déjà, pour moi, c'est mon avis personnel. Peut-être que vous avez un autre avis ou peut-être que vous avez genre d'autres films d'animation japonais genre préférés. Mais Your Name, pour moi, il fait partie de mes top 3, de mon top 3. Et en plus, c'est mon préféré, genre celui qui est genre tout au-dessus, quoi, de films d'animation japonais genre préférés. L'histoire, tout, je l'aime. Je l'ai regardé genre je ne sais combien de fois, donc voilà, même si la énième fois que je m'étais dit ouais j'ai envie de le regarder, Netflix, comme par hasard, à ce moment-là, il n'était plus disponible sur Netflix, donc j'étais un peu genre dégoûtée parce que c'est quand même un film que bah, de temps en temps, j'ai un mood où est-ce que j'ai envie de regardez le film d'animation Your Name. Ensuite, franchement, toutes les musiques sont vraiment sublimes, tous les OST, vraiment la playlist avec genre tous les OST, enfin vraiment genre le full album genre musical du film d'animation Your Name, c'est vraiment de trop belles musiques. Surtout Sparkle, elle est franchement genre incroyable. Aussi pourquoi j'aime Your Name, parce que ce film parle du fameux fil rouge, donc le fameux conte du fil rouge. Enfin, ça fait référence à à ce conte du fil rouge, même si bah c'est pas le conte, voilà, mais ça fait référence à ce conte-là, le conte du fil rouge. Enfin, ça s'appelle même, je pense pas. Ou je suis plus sûre que ça s'appelle comme ça, mais bon, enfin bref, c'est le fait que à votre doigt là, vous aurez un fil rouge qui est attaché à votre doigt et qui serait relié genre à votre âme sœur. Et vu que moi je crois à ce conte, à ce destin ou je sais pas quoi, donc si je vais que bah ça me fait aimer genre ce film. Que là, je vous ai dit, bah, n'hésitez pas à me dire vous aussi qu'est-ce que vous avez pensé du film d'animation genre Your Name, genre dans les commentaires pour ceux et celles genre qui l'ont vu. Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que ça vous donne envie d'aller le voir de ce pas? Ma vidéo où est-ce que je vous donne mon avis sur le film d'animation Your Name est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu, et si ça vous a plu, ben n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc la semaine prochaine, on se retrouve pour la dernière vidéo que je vous fais pour le mois de février sur le thème de l'amour slash la Saint-Valentin, tout ça, et ça sera comme d'habitude la fameuse playlist de l'amour. Et cette fois, c'est la numéro 4. C'est la quatrième fois que je vous fais cette vidéo. Et donc, j'espère que ça vous plaira. Et bien sûr, la vidéo, c'est toujours samedi à midi. Et je vous fais d'énormes bisous, les sucres arc-en-ciel.